Bonjour à tous, c'est Nicolas Véronneau de chez SoftDB. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet sur mesure de traitement acoustique d'une presse qui générait des nuisances sonores à l'intérieur de l'usine pour les travailleurs et pour les résidents autour de l'usine. Le choix de matériaux qui a été utilisé pour cet encadrement-là en fonction de l'étude qu'on a réalisée, c'est nos rideaux S2. C'est un rideau acoustique avec la laine isolante à l'intérieur puis un vinyle coupe-son. Ce qui est important de mentionner, c'est que tous ces rideaux-là sont maintenus par des Velcro, sont facilement démantelables et facilement réinstallables pour les maintenances. Voici un exemple. Tout simplement tirer sur le Velcro et on a accès à la machine. Donc, on peut voir que les rideaux sont attachés sur une structure en aluminium. Premier élément sur mesure que nous avons réalisé pour les contraintes opérationnelles, entre autres pour l'opérateur de la presse, c'est les portes coulissantes qu'on a faites pour donner accès à la matrice et voir toute autre anomalie lors des opérations de la presse. Un autre élément intéressant qu'on a réalisé, c'est le silencieux, donc le tunnel de sortie des pièces de la presse. Ce tunnel-là a pour but justement de limiter l'ouverture vers l'intérieur de la presse où ça fait le plus de bruit vers la matrice. Donc ce module-là est amovible sur roue pour permettre justement aux travailleurs d'avoir accès au convoyeur puis faire toute autre maintenance à l'intérieur. Pour le rebut des pièces, on a pensé à même principe que le côté opérateur. On a opté pour des portes coulissantes qui donnent directement accès à la matrice. Ça permet également un ajustement des glissières ou un changement des glissières en fonction du modèle de matrice qui est utilisé. Pour ce qui est de l'entrée des pièces, même principe que la sortie des pièces, donc un tunnel acoustique qui est amovible sur rail permet justement l'accès au huileur et à l'ajusteur. Donc l'opérateur a directement accès aux éléments hydrauliques, aux huileurs et à la feuille, en fait, de matière première. Une autre particularité super intéressante qui a été faite sur mesure pour le client, c'est que, en fait, les opérateurs ou les gens de maintenance ont besoin d'avoir accès au-dessus de la presse. Donc, le dessus de la presse, la structure est complètement amovible, peut être soulevée avec un chariot élévateur directement. Un autre fait intéressant pour éviter l'augmentation de chaleur à l'intérieur de l'encotrement, on a opté pour deux silencieux avec une convection forcée, donc un ventilateur pour extraire l'air chaud et un ventilateur d'entrée qui est connecté au moteur qui tire l'air de l'extérieur de l'encotrement, donc de l'air plus frais, pour assurer une bonne circulation d'air et éviter des surchauffes de l'équipement. Donc, c'est ce qui conclut notre petit tour guidé de notre encadrement sur mesure réalisé pour une presse. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez toute autre demande, besoin pour insonoriser un équipement industriel qui soit lourd ou léger. Donc, n'hésitez pas à nous contacter chez SoftDB. Merci.